Les géants des temps anciens. Depuis la nuit des temps, les légendes de géants peuplant la Terre fascinent et intriguent. D'innombrables récits issus de cultures variées nous parlent de créatures colossales, de demi-dieux puissants et d'entités mystérieuses qui auraient influencé le destin de l'humanité. Mais ces histoires sont-elles purement fictives ou renferment-elles une part de vérité? Les textes anciens, des tablettes sumériennes aux récits bibliques, évoquent souvent des êtres surnaturels aux proportions gigantesques. Les Néphilim, mentionnés dans la Genèse, sont décrits comme des descendants des fils de Dieu et des filles des hommes. Leur existence soulève des questions profondes sur les origines de ces géants et leur rôle dans notre histoire. Cette vidéo se propose de décoder ces mystères en s'appuyant sur les travaux de Zecharia Sitchin, un chercheur controversé qui a consacré sa vie à interpréter les textes anciens et à découvrir les vérités cachées derrière les mythes. Selon lui, les Anunnaki, des visiteurs extraterrestres venus de la planète Nibiru, auraient non seulement créé les premiers humains, mais aussi laissé derrière eux des descendants hybrides, les géants. À travers des fouilles archéologiques, des analyses génétiques et des récits historiques, nous partirons à la découverte de ces géants oubliés. Des ruines de Babylone aux mystères de l'Égypte ancienne, en passant par l'épopée d'Alexandre le Grand, nous chercherons à comprendre comment ces êtres ont marqué les civilisations anciennes et pourquoi leurs traces persistent encore aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage fascinant où science et légende se mêlent et où chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Les géants ont-ils réellement existé? Quel rôle ont-ils joué dans notre évolution? Et quelles preuves pouvons-nous trouver aujourd'hui pour soutenir ces incroyables théories? Chers amis explorateurs des mystères, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous plonge dans notre passé lointain, à la recherche de nos origines. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenus intéressants. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement, Cyril Pellet, France Fafard, Alain de Manca, créateur Sun It's a God. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Verre Discovery. Embarquez, une fois de plus avec moi, dans cette quête de vérité et laissez-vous surprendre par les secrets que renferme notre passé. Les réponses que nous trouverons pourraient bien changer notre vision de l'histoire et de l'univers. Les origines des géants. Le mythe des géants qui ont foulé la Terre à côté des humains est recourant dans différentes mythologies des peuples. Ces récits ont enflammé l'imagination humaine tout au long de l'histoire. La Bible, notamment dans la Genèse, évoque les Néphilim, souvent traduits par « géants », mais dont le nom signifie littéralement « ceux qui sont tombés ». Ces créatures énigmatiques, mi-divines, mi-humaines, auraient traversé les âges, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire et la culture des civilisations anciennes. Les Néphilim sont décrits comme les descendants d'unions interdites entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Selon les traditions, ces géants possédaient des pouvoirs extraordinaires et une sagesse hors du commun. Parmi leurs descendants célèbres figure Gilgamesh, le roi tyran d'Uruk, dont l'épopée est l'un des plus anciens textes littéraires connus. Gilgamesh, lui-même généralement décrit comme un demi-dieu, incarne la quête de l'immortalité et la confrontation avec des forces surnaturelles. Les similitudes frappantes entre les récits de géants à travers différentes cultures suggèrent une origine commune ou des événements réels ayant laissé une trace durable dans la mémoire collective. En Mésopotamie, les Anunnaki, ces dieux venus des étoiles, sont souvent associés à la création de ces géants. Les textes sumériens décrivent comment les Anunnaki, à la recherche de main-d'œuvre, auraient manipulé l'ADN des hominidés pour créer des êtres hybrides, donnant naissance à des lignées de demi-dieux et de géants. En Égypte, des récits parlent des Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus, des êtres de grande taille qui auraient régné avant les pharaons. Ces géants,
à la fois constructeurs et destructeurs, étaient vénérés comme des dieux et des ancêtres mythiques. Des traces de ces récits se retrouvent aussi dans les mythes nordiques, où les géants, les Jotuns, sont les adversaires des dieux Aesir. Le monde grec antique n'est pas en reste, avec ses titans et cyclopes, figures emblématiques de la mythologie, qui symbolisent la lutte entre les forces de la nature et les dieux de l'Olympe. Ces géants, dotés d'une force colossale, étaient perçus comme des gardiens de secrets ancestraux et des artisans de grands monuments. Mais au-delà des légendes, des découvertes archéologiques intrigantes nourrissent le mystère. Des squelettes géants ont été trouvés dans diverses parties du monde, suscitant la curiosité et l'émerveillement. En 1890, des ouvriers découvrent un squelette de près de 3 mètres de haut dans une tombe ancienne aux États-Unis. Les géants occupent une place centrale dans les légendes des peuples indigènes d'Amérique du Nord. Les tribus telles que les Paiutes racontent des histoires de guerriers géants, connus sous le nom de Siteka, qui auraient vécu dans les grottes de Lovelock, au Nevada. En 1911, des mineurs ont découvert des ossements et des artefacts dans ces grottes, certains suggérant des dimensions humaines bien au-delà de la norme. En 1931, dans la vallée de la Mort, en Californie, des archéologues mettent au jour des restes de squelettes mesurant jusqu'à 4 mètres. Ces découvertes, bien que souvent controversées, alimentent les spéculations sur l'existence réelle de géants. En Amérique du Sud, les légendes des géants sont tout aussi présentes. Les récits des Incas parlent de géants venus de la mer, capables de construire des structures monumentales avec une facilité déconcertante. Des pétroglyphes et des sculptures colossales, comme celle de la culture Moche au Pérou, semblent représenter ces êtres extraordinaires. Les mythes polynésiens, notamment ceux d'Hawaï et de l'île de Pâques, parlent également de géants. Les habitants de l'île de Pâques, les Rapa Nui, attribuent la construction des célèbres statues Moai à des êtres dotés d'une force surhumaine. Les Moai, mesurant jusqu'à 10 mètres de hauteur et pesant plusieurs tonnes, restent une énigme quant à leur transport et à leur érection par une civilisation technologiquement limitée. En 2002, des archéologues en Roumanie ont découvert un cimetière contenant des squelettes humains anormalement grands, mesurant entre 2,4 et 3 mètres de hauteur. Cette découverte, bien que controversée et sujette à des débats, a relancé l'intérêt pour les recherches sur les géants et leur impact potentiel sur les anciennes civilisations européennes. L'un des aspects les plus fascinants des géants réside dans leur représentation universelle et leurs traces potentielles dans l'archéologie et l'histoire. Outre les découvertes spectaculaires de squelettes géants, divers artefacts et structures offrent des indices supplémentaires sur l'existence possible de ces êtres hors normes. Des outils disproportionnés, des armes massives et des empreintes gigantesques ont également été trouvées, suggérant l'existence de créatures de grande taille. Par exemple, des marteaux en pierre de taille exceptionnelle ont été découverts en Afrique du Sud, datant de plusieurs milliers d'années, et des traces de pas géantes fossilisées ont été trouvées en Australie et en Turquie. En Europe, les dolmens et les menhirs érigés par les cultures mégalithiques, tels que ceux de Karnak en France et de Stonehenge en Angleterre, soulèvent des questions similaires. Comment ces structures gigantesques ont-elles été déplacées et dressées avec une telle précision? Les théories vont des techniques humaines ingénieuses aux interventions de géants ou d'êtres extraterrestres. Les structures monumentales telles que Göbekli Tepe en Turquie, érigées il y a plus de 12 000 ans, défient les explications conventionnelles. Les pierres massives, sculptées avec une précision incroyable, semblent avoir été mises en place par des forces dépassant les capacités humaines de l'époque. Stonehenge en Angleterre et les pyramides de Gizeh en Égypte, avec leurs alignements astronomiques et leurs dimensions colossales, posent des questions semblables sur les connaissances et les habiletés de leurs constructeurs. En examinant les récits anciens et les découvertes modernes, nous découvrons un fil conducteur. Une croyance persistante en des êtres supérieurs, des gardiens de savoir et des bâtisseurs de civilisations. Les anciens textes hindous,
comme le Mahabharata et le Ramayana, mentionnent également des êtres géants et des demi-dieux. Les Asuras et les Rakshasas, décrits comme des géants puissants, sont souvent en conflit avec les Devas, les dieux bienveillants. Ces récits épiques parlent de batailles titanesques et de villes célestes, suggérant une histoire ancienne, riche en interactions entre humains et entités supérieures. Les géants sont aussi présents dans la mythologie chinoise. Le légendaire empereur Yu, par exemple, est parfois décrit comme étant de taille gigantesque, capable de contrôler les inondations et de creuser des canaux avec une force prodigieuse. Les récits taoïstes parlent aussi de géants immortels vivant dans des montagnes sacrées, gardiens de secrets ésotériques. L'intérêt contemporain pour les géants et leur possible existence a conduit à des recherches scientifiques et à des enquêtes paranormales. Les analyses ADN de certains restes humains ont révélé des anomalies génétiques, telles que le gigantisme, mais ces cas ne suffisent pas à expliquer les récits massifs et répandus de géants. Les chercheurs explorent aussi des théories alternatives, y compris des interventions génétiques extraterrestres ou des civilisations perdues ayant maîtrisé des technologies avancées. Ces histoires de géants, loin d'être de simples contes pour enfants, pourraient refléter une réalité oubliée, une époque où des forces mystérieuses ont façonné le destin de l'humanité. Alexandre le Grand, le fils des géants. Alexandre le Grand, l'un des plus fameux conquérants de l'histoire, n'était pas seulement motivé par la soif de pouvoir et de territoire. Sa quête allait bien au-delà de la conquête terrestre. Il cherchait l'immortalité. Cette ambition divine l'a mené à travers des terres légendaires, où il a recueilli des récits de créatures surnaturelles et d'artefacts mystérieux, alimentant ainsi son désir de vie éternelle. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre a mené une armée grecque massive à travers l'Hellespont, actuellement le détroit de Dardanelles, pénétrant en Asie mineure. Cette campagne n'était pas seulement une expédition militaire, elle représentait une quête personnelle pour des secrets anciens. Alexandre portait toujours avec lui une copie de l'Iliade, donnée par son mentor Aristote, et s'inspirait des héros épiques comme Achille. Son parcours était jonché de visites à des lieux sacrés et à des ruines antiques, où il espérait trouver des indices sur l'immortalité. L'un des épisodes les plus fascinants de sa quête est sa visite à l'oracle d'Amon, à l'oasis de Siwa, dans le désert égyptien près de la frontière libyenne. Les légendes racontent que cet oracle avait confirmé à Alexandre sa filiation divine, le déclarant fils du dieu Amon. Cette révélation aurait renforcé sa conviction qu'il était destiné à une existence divine, au-delà de la mortalité humaine. Cette quête de confirmation divine n'était pas unique à Alexandre. Elle reflète une fascination humaine universelle pour les pouvoirs surnaturels et la vie éternelle. La quête d'immortalité d'Alexandre est profondément enracinée dans les mystères de sa propre origine. Sa mère, Olympia, princesse d'Épire, était connue pour ses croyances mystiques et son dévouement au culte dionysiaque. Selon certaines légendes, Olympia aurait eu une vision prophétique où elle était fécondée par un serpent, une manifestation divine. Elle aurait affirmé qu'Alexandre était destiné à un grand avenir, un destin divin confirmé par sa naissance sous des auspices remarquables. Son père officiel, Philippe II de Macédoine, était un roi puissant et ambitieux, mais des rumeurs persistantes entouraient la véritable paternité d'Alexandre. Selon ces rumeurs, le véritable père d'Alexandre n'était autre que le pharaon Nectanébo II, le dernier pharaon indigène de l'Égypte avant la conquête perse. Ce mystérieux pharaon, expert en magie et en prophétie, aurait séduit Olympias sous l'apparence d'un dieu. Cependant, les récits plus ésotériques suggèrent que Nectanébo II n'était pas seulement un homme, mais une incarnation du dieu égyptien Amon-Ra. Cette connexion divine se complexifie encore lorsqu'on considère que dans la mythologie mésopotamienne, Amon-Ra est assimilé à Marduk et parfois à Enki, des figures majeures parmi les Anunnaki. Les Anunnaki, selon les écrits de Zecharia Sitchin, étaient des êtres venus des étoiles, souvent identifiés comme des Néphilim,
des géants qui ont autrefois marché sur Terre. Ainsi, selon cette théorie, Alexandre lui-même pourrait être un descendant direct des Anunnaki, un Néphilim héritant d'un destin exceptionnel. Cette révélation divine n'était pas simplement un coup de propagande politique pour légitimer son règne en Égypte, mais aussi une confirmation personnelle de sa destinée immortelle. Les prêtres d'Amon lui auraient révélé des secrets anciens, des connaissances gardées depuis l'époque des Anunnaki, renforçant la conviction d'Alexandre qu'il était destiné à rejoindre les rangs des dieux après sa mort. La conviction d'Alexandre en sa filiation divine transforma ses ambitions et ses actions. Il commença à adopter des symboles divins, comme les cornes d'Amon, et à se faire représenter dans l'iconographie égyptienne comme un pharaon-dieu. Ses exploits militaires devinrent des quêtes pour trouver et posséder des artefacts sacrés, des trésors qui, selon lui, pouvaient lui conférer l'immortalité. Babylone, avec son riche héritage mythologique et ses légendes sur les Anunnaki, devint une obsession pour Alexandre. Il crut que les anciens temples et les ziggurats de la cité pouvaient contenir des reliques sacrées capables de lui donner la vie éternelle. Lors de sa conquête de la ville, il ordonna la restauration du temple de Marduk, espérant gagner les faveurs du dieu et découvrir des secrets cachés. Babylone, en particulier, représentait pour lui une source inestimable de sagesse et de secrets anciens. En entrant dans cette cité mythique, il a été accueilli comme un libérateur et a entrepris la restauration du grand temple de Marduk. Pour Alexandre, Babylone n'était pas seulement une capitale conquise, elle était le cœur d'un savoir ancien qui pourrait détenir les clés de l'immortalité. Alexandre a également été intrigué par les histoires des anciens rois et des demi-dieux mentionnés dans les récits babyloniens. Les textes de Bérossus, un prêtre chroniqueur babylonien, décrivent des rois qui auraient régné pendant des dizaines de milliers d'années, un témoignage d'une longévité divine. Ces récits ont alimenté la croyance d'Alexandre en une immortalité accessible, pour peu que l'on trouve les bons secrets ou les bonnes bénédictions. Le passage de l'armée d'Alexandre à travers le désert de Gédrossia, une région inhospitalière de l'actuel Pakistan, est un autre épisode qui illustre son obsession pour les exploits surnaturels. Malgré les conditions extrêmes et les pertes humaines considérables, Alexandre persistait, croyant que ces épreuves le rapprocheraient des secrets des anciens dieux et de l'immortalité. En 323 avant Jésus-Christ, après une décennie de conquêtes, Alexandre retourna à Babylone, une cité qu'il considérait comme la clé de ses aspirations divines. Cependant, les prêtres de Babylone l'avertirent de ne pas entrer dans la ville, prédisant que cela lui apporterait la mort. Malgré ces avertissements, Alexandre, fort de sa croyance en son destin divin, décida d'ignorer ces présages et fit son entrée triomphale dans la cité. Quelques semaines après son arrivée, Alexandre tomba gravement malade. La fièvre le saisit et son état se détériora rapidement. Malgré les efforts de ses médecins et des rituels sacrés pour le guérir, Alexandre succomba à sa maladie à l'âge de 32 ans. Sa mort soudaine et mystérieuse a alimenté des spéculations et des légendes pendant des siècles. Certains disent qu'il a été empoisonné, d'autres croient qu'il a été victime de la malédiction des prêtres babyloniens. Les civilisations prédiluviennes et le déluge. Après avoir exploré la quête d'Alexandre et ses interactions avec des civilisations anciennes, nous nous tournons maintenant vers une époque encore plus reculée, marquée par des événements cataclysmiques et des civilisations avancées. Ces récits nous emmènent dans un voyage à travers les mythes et les réalités de l'humanité avant le grand cataclysme qui a changé à jamais notre planète. Avant le déluge biblique, il y avait une époque légendaire où des civilisations avancées auraient en prospéré. Les écrits sumériens et autres récits anciens nous offrent un aperçu fascinant de sociétés oubliées, dotées de connaissances étonnantes en métallurgie, en ingénierie et en astronomie. Les Anunnaki, des êtres venus du ciel selon ces textes, auraient joué un rôle crucial dans la formation de ces civilisations florissantes. Les tablettes sumériennes, vieilles de plusieurs millénaires, sont parmi les plus anciennes traces écrites de l'humanité.
Elle raconte l'histoire des Anunnaki, des dieux descendus sur Terre depuis une planète lointaine nommée Nibiru. Ces êtres, dotés d'une intelligence et d'une technologie avancées, auraient atterri en Mésopotamie, une région fertile située entre le Tigre et l'Euphrate, et auraient instauré les premières grandes civilisations humaines. Les Anunnaki sont décrits comme des êtres imposants, souvent associés aux Néphilim de la Bible, ces géants qui auraient autrefois marché sur Terre. Les textes racontent qu'ils ont enseigné aux humains l'agriculture, l'écriture, les mathématiques et l'astronomie. Ils auraient construit des cités grandioses comme Ur, Eridu et Lagash, et auraient érigé des ziggurats, ces immenses temples en forme de pyramide qui dominaient les paysages de la Mésopotamie ancienne. Les fouilles archéologiques à Ur, l'une des plus anciennes villes sumériennes, ont révélé des trésors d'une richesse inestimable. Des tombes royales, datant d'environ 2500 avant Jésus-Christ, contiennent des artefacts en or, des bijoux somptueux et des objets en cuivre et en bronze, témoignant d'une maîtrise avancée de la métallurgie. Les archéologues ont également découvert des tablettes cunéiformes décrivant des transactions commerciales, des prières religieuses et des récits mythologiques, offrant un aperçu détaillé de la vie quotidienne et des croyances de l'époque. Les ruines d'Eridu, considérées comme la plus ancienne ville du monde, révèlent une sophistication similaire. Les vestiges d'un temple dédié au dieu Enki, souvent associé aux Anunnaki, montrent des techniques de construction avancées. Des canaux d'irrigation sophistiqués et des systèmes de gestion de l'eau témoignent d'une compréhension approfondie de l'hydraulique, essentielle pour survivre dans l'environnement aride de la Mésopotamie. Les récits sumériens évoquent par ailleurs une époque avant le Grand Déluge, un cataclysme qui aurait détruit ces civilisations avancées. Selon ces textes, les Anunnaki auraient averti un homme nommé Ziusudra, ou Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, de la catastrophe imminente, lui ordonnant de construire une grande arche pour sauver sa famille et les espèces animales. Ce mythe, étrangement semblable à celui de Noé dans la Bible, suggère une mémoire collective d'un événement dévastateur ayant profondément marqué l'humanité. Au-delà des frontières de la Mésopotamie, d'autres vestiges préhistoriques témoignent de la présence de civilisations avancées avant le déluge. Göbekli Tepe, en Turquie, est un site archéologique monumental datant de 9600 avant Jésus-Christ. Ces énormes piliers de pierre, ornés de sculptures complexes, défient les connaissances actuelles sur les capacités des sociétés de chasseurs-cueilleurs de l'époque. En Amérique du Sud, les ruines de Tiahuanaco, situées près du lac Titicaca en Bolivie, révèlent des constructions mégalithiques impressionnantes. Les blocs de pierre, pesant plusieurs tonnes, ont été taillés et assemblés avec une précision qui suggère une technologie avancée inconnue des civilisations ultérieures. Les légendes des peuples autochtones, comme celles des aborigènes australiens ou des tribus amérindiennes, parlent également de grandes inondations et de civilisations disparues. Ces récits, souvent considérés comme des mythes, pourraient contenir des fragments de vérité historique sur les sociétés prédiluviennes. Les chercheurs modernes tentent de comprendre ces récits en les comparant avec des preuves géologiques de grandes inondations dans l'histoire de la Terre. Certains scientifiques suggèrent que des événements tels que la montée rapide du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire pourraient avoir inspiré ces histoires de déluge. Les sites archéologiques sous-marins, comme ceux découverts au large des côtes de l'Inde et du Japon, offrent pareillement des indices sur des civilisations submergées, potentiellement contemporaines des sociétés prédiluviennes, décrites dans les mythes. Des découvertes récentes en génétique et en archéologie continuent de nourrir le débat. Des analyses ADN de populations anciennes montrent des mélanges génétiques complexes, tandis que des fouilles en Afrique de l'Est révèlent des artefacts qui suggèrent des sauts technologiques brusques dans notre préhistoire. Ces éléments laissent entrevoir la possibilité de contacts anciens avec des civilisations technologiquement avancées. Les civilisations prédiluviennes et le déluge biblique offrent un cadre fascinant pour explorer les origines de l'humanité et les influences externes potentielles sur notre développement. Ainsi,
nous allons plonger plus profondément dans ces mystères. Nous nous tournons maintenant vers une exploration plus détaillée des preuves ADN et des théories sur les origines extraterrestres de l'humanité. Ces investigations nous conduiront à examiner les avancées scientifiques et les hypothèses audacieuses qui pourraient enfin dévoiler la vérité sur nos ancêtres et les influences cosmiques qui ont façonné notre évolution. L'ADN et les origines de l'homme. Zecharia Sitchin, auteur et chercheur controversé, a proposé une autre lecture des textes anciens avec des interprétations audacieuses. Selon lui, les Anunnaki, ces êtres venus de la planète Nibiru, seraient intervenus directement dans l'évolution humaine. En utilisant des techniques génétiques avancées, ils auraient manipulé l'ADN des hominidés primitifs pour créer Homo sapiens, une espèce hybride dotée de capacités intellectuelles et physiques supérieures. Sitchin s'appuie sur des traductions des tablettes sumériennes, qui décrivent les Anunnaki en tant que créateurs de l'humanité. Il interprète ces textes comme des comptes rendus de véritables expériences scientifiques menées par ces êtres avancés. Selon lui, les Anunnaki auraient utilisé leurs connaissances pour combiner leur propre ADN avec celui des hominidés terrestres, créant ainsi une nouvelle espèce capable de travailler pour eux dans les mines d'or et de participer à leurs projets sur Terre. Les recherches génétiques contemporaines ont permis de découvrir des aspects surprenants de notre patrimoine génétique. L'étude du génome humain révèle des séquences d'ADN qui semblent avoir subi des modifications rapides et inexplicables à des moments clés de notre évolution. Ces sauts évolutifs sont difficiles à expliquer par les seules forces de la sélection naturelle. Les analyses ADN de restes humains anciens ont montré des traces de mélanges génétiques complexes. Par exemple, des études sur l'ADN des Néandertaliens et des Denisoviens, deux espèces d'hominidés qui coexistaient avec les ancêtres de l'homme moderne, révèlent des croisements importants. Certains chercheurs suggèrent que ces mélanges auraient pu être facilités par des interventions extérieures, comme celles décrites par Sitchin. Les progrès en paléogénétique, l'étude de l'ADN ancien, ont permis de reconstituer des génomes d'hominidés disparus et de comprendre les interactions entre différentes espèces humaines. Ainsi, des fossiles de Néandertaliens et de Denisoviens ont révélé des mélanges génétiques avec Homo sapiens, mais des segments d'ADN distincts, présents uniquement chez l'homme moderne, demeurent énigmatiques. Des analyses de fossiles provenant de grottes en Espagne et en Sibérie ont montré des différences génétiques significatives avec les populations modernes, suggérant des épisodes de divergence évolutive brusque. Ces données pourraient indiquer des périodes de manipulation génétique par une intelligence externe, visant à accélérer le développement de traits spécifiques, comme le langage ou les capacités cognitives avancées. Un des domaines de recherche les plus intrigants est celui des gènes orphelins, des segments d'ADN sans homologue connus dans d'autres espèces terrestres. Ces gènes, trouvés exclusivement chez les humains, posent des questions sur leur origine et leur fonction. Certains scientifiques spéculent que ces gènes pourraient être des marques d'une intervention génétique ancienne, potentiellement d'origine extraterrestre. Une autre piste fascinante est celle des éléments transposables, ou « sauteurs de gènes », qui sont des séquences d'ADN capables de changer de position dans le génome. Ces éléments peuvent provoquer des mutations significatives et des réarrangements génétiques, jouant un rôle crucial dans l'évolution. Certains chercheurs explorent la possibilité que ces sauteurs de gènes aient été utilisés par une intelligence avancée pour induire des changements rapides dans l'ADN humain. Des études récentes sur le génome humain ont identifié des hotspots de mutations, des zones où les modifications génétiques semblent se concentrer de manière anormale. Ces hotspots pourraient être les vestiges d'interventions intentionnelles visant à accélérer l'évolution de l'intelligence et des capacités humaines. Si l'hypothèse des manipulations génétiques par des êtres extraterrestres se confirme, elle changerait radicalement notre compréhension de l'histoire humaine. Cela signifierait que nous ne sommes pas seulement le produit de l'évolution naturelle, mais aussi le résultat d'un projet conscient et dirigé par une intelligence supérieure. Les implications philosophiques et scientifiques de cette théorie sont vastes.
Elle pourrait offrir des réponses à des questions fondamentales sur notre place dans l'univers et notre potentiel futur. Les découvertes génétiques pourraient également ouvrir de nouvelles voies pour la médecine et la biotechnologie en exploitant les techniques de modification génétique utilisées par nos créateurs hypothétiques. Les avancées en génétique continuent de repousser les frontières de notre connaissance, révélant des aspects surprenants et parfois mystérieux de notre patrimoine génétique. La théorie de Sitchin sur les origines extraterrestres de l'humanité, bien que controversée, offre une perspective intrigante sur notre évolution. Entre autres, les différents sites archéologiques ou les ruines mégalithiques de Baalbek au Liban montrent des niveaux de sophistication technique et architecturale surprenants pour leur époque. Ces structures, construites avec une précision et une ingéniosité remarquables, semblent démentir les connaissances limitées des sociétés humaines primitives. Les méthodes de construction de ces sites, impliquant le déplacement et l'ajustement de blocs de pierre de plusieurs tonnes, restent un mystère. Certaines théories avancent que des connaissances ou des technologies avancées, potentiellement héritées des Anunnaki, auraient été utilisées pour ériger ces monuments. Les fouilles à Baalbek, par exemple, ont mis au jour des fondations cyclopéennes, alignées avec une précision millimétrique, laissant entrevoir des méthodes de construction inconnues. Par ailleurs, des études linguistiques comparatives révèlent des similitudes étonnantes entre les langues anciennes, suggérant un point de convergence ou une influence commune. Les langues sumériennes, akkadiennes et égyptiennes, par exemple, partagent des racines communes et des structures grammaticales similaires. Ces similitudes pourraient indiquer des contacts interculturels intenses, facilités par des civilisations avancées comme celle des Anunnaki. Les récits mythologiques et religieux de diverses cultures présentent également des parallèles frappants. Les épopées sumériennes, les mythes égyptiens et les textes sacrés hindous contiennent des références à des dieux venus des étoiles, des êtres divins qui enseignent aux humains des connaissances avancées. Ces récits pourraient être des témoignages codifiés de véritables interactions entre les anciens et des visiteurs extraterrestres. Les implications de ces théories vont bien au-delà de la simple curiosité historique. Si des manipulations génétiques anciennes ont vraiment eu lieu, cela pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour la médecine et la biotechnologie moderne. Les scientifiques explorent déjà la possibilité d'utiliser des techniques avancées de modification génétique pour traiter des maladies héréditaires et améliorer les capacités humaines. Des projets futuristes, tels que la recherche de traces d'ADN extraterrestres dans les échantillons de sol lunaire ou martien, sont en cours. Ces initiatives visent à déterminer si des formes de vie extraterrestres ont pu influencer notre planète à travers des mécanismes génétiques. La découverte de telles preuves pourrait révolutionner notre compréhension de la vie et de l'évolution dans l'univers. L'héritage des géants et des dieux. L'héritage des géants et des dieux continue de captiver notre imagination moderne, tissant un lien mystérieux entre les légendes anciennes et les découvertes scientifiques contemporaines. Des mystères non résolus et des preuves intrigantes poussent les chercheurs, les archéologues et les passionnés d'histoire à explorer plus loin, en quête de vérité et de compréhension. Les récits de colosses traversent les âges, des Néphilim de la Bible aux Anunnaki des tablettes sumériennes, en passant par les titans de la mythologie grecque. Ces histoires, ancrées dans la mémoire collective de nombreuses cultures, ne sont pas de simples contes pour les pauvres d'esprit, mais des échos d'un passé potentiellement réel. Les découvertes archéologiques de squelettes géants, bien que controversées, nourrissent cette fascination et suscitent des questions sur l'existence de ces êtres colossaux. Les géants, dans de nombreuses cultures, sont souvent perçus comme les gardiens de connaissances anciennes et de secrets interdits. Leur présence dans les récits mythologiques symbolise une époque où les frontières entre le divin et l'humain étaient floues et où des êtres supérieurs marchèrent parmi nous. Ces légendes pourraient refléter une réalité oubliée, un temps où des entités puissantes influençaient directement le cours de l'histoire humaine. Les dieux, tels que décrits dans les textes anciens, sont généralement associés à des phénomènes célestes et à des influences cosmiques.
Les Anunnaki, par exemple, sont dits venus de Nibiru, une planète mystérieuse qui aurait une orbite elliptique autour de notre Soleil. Cette idée, bien que spéculative, incite à repenser notre développement comme espèce et notre condition dans l'univers. Cela nous incite à y regarder à deux fois notre passé lointain et à envisager des interactions passées avec des civilisations extraterrestres. L'impact des dieux sur les anciennes civilisations est également visible dans les avancées technologiques et culturelles attribuées à leur enseignement. Les techniques de construction monumentale, les connaissances astronomiques et les systèmes de gouvernement sophistiqués des sociétés anciennes suggèrent une influence extérieure significative. Ces contributions divines, réelles ou symboliques, ont façonné le développement de l'humanité et continuent de susciter des recherches et des débats. Les avancées en génétique, en paléogénétique et en archéologie offrent de nouvelles perspectives sur nos origines et les influences externes possibles. Les analyses ADN, révélant des segments génétiques mystérieux, les fouilles sous-marines dévoilant des cités englouties et les découvertes d'artefacts anachroniques continuent de brouiller les lignes entre mythes et réalité. Les scientifiques et les historiens utilisent des technologies de pointe pour explorer les profondeurs de notre passé. Les projets de cartographie génomique, les explorations spatiales à la recherche de traces de vie extraterrestre et les études comparatives des anciennes langues et cultures contribuent à enrichir notre compréhension de l'histoire humaine. Ces recherches pourraient un jour confirmer des théories audacieuses sur les origines extraterrestres de l'humanité, changeant à jamais notre vision de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. L'héritage des géants et des dieux nous rappelle que l'histoire humaine est un tissu complexe de faits, de mythes et de spéculations. Les récits anciens, les découvertes archéologiques et les avancées scientifiques se rejoignent pour offrir une image riche et nuancée de notre passé. Cet héritage nous pousse à continuer de chercher, à questionner et à explorer, dans l'espoir de découvrir la vérité cachée derrière les légendes. Les géants et les dieux, symboles de puissance et de mystère, nous invitent à réfléchir sur les limites de notre connaissance et sur les possibilités infinies de l'univers. Leur héritage, inscrit dans les pierres anciennes et les récits sacrés, continue de nourrir notre quête de sens et d'émerveillement. Alors que nous concluons cette exploration des géants et des dieux, nous nous tournons vers l'avenir avec une curiosité renouvelée. Les découvertes futures, nourries par les technologies de pointe et les esprits inquisitifs, pourraient bien révolutionner notre compréhension de l'histoire humaine et des influences cosmiques qui l'ont façonnée. Nous sommes à l'aube de nouvelles révélations, et chaque pas vers la vérité nous rapproche un peu plus des secrets enfouis de notre passé et des mystères de notre existence. Nous voilà, chers amis, à la fin de cette fascinante exploration des géants et des dieux. Il est clair que notre histoire est bien plus complexe et riche que nous l'avions imaginée. Des récits mythologiques aux découvertes scientifiques modernes, chaque pièce du puzzle nous rapproche de la vérité sur nos origines et les influences mystérieuses qui ont façonné notre évolution. Les géants et les dieux continuent de vivre dans notre imagination, non seulement comme des figures légendaires, mais aussi comme des symboles de notre quête perpétuelle de connaissance et de compréhension. Leur héritage nous pousse à continuer d'explorer, de questionner et de découvrir, car chaque nouvelle trouvaille nous offre un aperçu plus profond de notre passé. Je vous remercie de tout cœur d'avoir partagé ce voyage extraordinaire avec moi. Votre curiosité et votre passion pour ces mystères sont ce qui rend cette quête si spéciale. Ensemble, nous avons parcouru des millénaires, exploré des civilisations perdues et remis en question les frontières entre mythes et réalité. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Il y a encore tant de mystères à dévoiler et de secrets à découvrir. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, où nous continuerons à explorer les merveilles de notre monde et les mystères de l'univers. Restez curieux, continuez à poser des questions, et surtout, n'oubliez pas que chaque découverte, si petite soit-elle, nous rapproche un peu plus de la vérité. À très bientôt pour une nouvelle exploration fascinante. Prenez soin de vous
et rester émerveillé. Bye, bye.